Bonjour à tous, bonjour à toutes. Parlons théâtre maintenant, puisque nous avons plus d'une vingtaine de programmations théâtrales sur les 80 spectacles que vous propose la saison prochaine. Alors quelques pépites, quelques surprises, beaucoup de théâtres privés parisiens, des pièces de boulevard, mais également un certain nombre de seules en scène à découvrir. Alors je n'ai qu'une chose à dire, place au théâtre. Hasard des programmations, comme chaque saison, cette année nous aurons un certain nombre de seules en scène à vous proposer. Des seuls en scène, tous très différents les uns que les autres. Une seule particularité, c'est qu'à chaque fois, ils vous proposent un grand nom du cinéma ou de la scène théâtrale française. Des grands moments inoubliables à ne pas rater au Pingalan. Nos ancêtres les Gaulois. C'est ainsi que commence cette pièce de théâtre, un livre au départ, un seul en scène virevoltant, à l'image de celui qui l'a écrit et qui l'interprète, c'est Laurent Deutsch dans Romanesque. Après Métronome et Hexagone, ce féru d'histoire nous raconte les origines de la langue française dans un style tout à fait personnel, en passant par les Vikings, les Germains, les Arabes, les Italiens. Un grand moment d'histoire romancée de notre langue française. Seul en scène, costume sombre et cravate, Francis Huster endosse avec Maestria 18 personnages du texte de Chaz Palminteri. Une vision violente et nostalgique du Bronx des années 60. C'est une mise en scène de Steve Suiza qui lui-même a été marqué par le film de Robert De Niro, Il était une fois le Bronx. Collodio, alias Francis Huster, se souvient en 1960 de son enfance dans le quartier du Bronx, assis sur les escaliers de son immeuble, aux côtés des mafieux de l'époque, dont Sonny, le chef qui le prend sous son aile. Un rôle généreux, inspiré, sur le fil, taillé pour Francis Huster qui retranscrit ici l'humanité de chacun de ses personnages. Vous pensez que les grands hommes ou les grandes plumes de ce monde ont toujours eu le bon mot? Détrompez-vous! Dans un seul en scène drôle, littéraire ou historique, au ton décalé, Stéphane Bern, seul en scène, nous emmène dans les coulisses de l'histoire, à la découverte des derniers mots des grands hommes et des auteurs. Que furent les dernières paroles de ces illustres personnages? Leur épitaphe? Un monologue joyeux, inspiré et truffé d'anecdotes savoureuses sur les grands de ce monde que Stéphane Bern, évidemment, nous livre avec une grande délectation. Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable aventure, cette incroyable histoire qui est adaptée de celle vécue par Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. C'est l'histoire de ce soldat allemand sur son lit de mort qui demande, lors de l'été 42, le pardon à Simon Wiesenthal au nom du peuple juif. Le seul en scène alterne la parole des protagonistes et la parole de ceux qui ont croisé la route de Simon Wiesenthal, penseur, philosophe, Olivier Abel, Simone Veil, Roger Icor et tant d'autres. Le but, tenter d'apporter et d'approcher une réponse à cette question du pardon. Une pièce d'une humanité débordante qui pousse à s'interroger sur sa propre définition du pardon et portée avec brio par Thierry Lhermitte, bouleversant dans ce rôle à contre-pied. Un de mes coups de cœur cette saison avec Plus haut que le ciel. Comment nous faire revivre avec beaucoup d'humour les circonstances de la création et de la construction de la Tour Eiffel? Une pure merveille, cette pièce de théâtre, est tout à fait instructive en plus. Alors qu'il est tout à fait accaparé par la gestion de sa société, qu'il construit des ouvrages métalliques dans le monde entier, comment Gustave Eiffel va-t-il faire pour ne pas passer à côté du projet qu'on vient de lui soumettre? Construire une tour tout à fait inutile, en plein marécage, en voilà une drôle d'idée. Venez revivre avec nous l'épopée de la gestation et de la construction de notre monument national. Nous allons construire le plus grand édifice de l'histoire de l'humanité. 15 jours de travail, 1000 pieds d'eau, 305 mètres. Ah, regardez comme la statue de la liberté est petite à côté. Ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est ça. Oh, un pylône. Vous n'avez pas gardé les trous, si? L'inutile et monstrueuse Tour Eiffel va profaner la beauté de Paris. J'ai appris pour cette terrible pétition. Vous et vos amis, allez immédiatement renoncer à publier votre tension. 30 ans! Le plus gros chantier jamais vu à Paris pour une tour que personne n'a demandé. Papa, tu ne vois pas ce que ces deux hommes t'apportent? Le plus grand défi de ta carrière. Tous les regards se poseront sur la France, sur notre génie. Maintenant, il faut une phrase qui parlera à mon père. Plus haut que le ciel, ça lui parlera. C'est que notre époque permet de réaliser des rêves qui étaient impossibles il y a encore 10 ans. Vous m'avez engagé parce que vous me faites confiance. Alors je vous dis, ne construisez pas cette tour. C'est un projet impossible. Papa. Vous avez raison, c'est impossible. Merci. Et c'est pour ça que nous allons le faire.
propose maintenant une magnifique pièce de théâtre découverte l'année dernière au théâtre Édouard VII à Paris avec L'heureux stratagème, une pièce de Marivaux. On retrouve une actrice césarisée, Sylvie Testu, l'inoubliable interprète de Gainsbourg au cinéma, Éric Elmosino, qui sont réunis par Ladislas Chola dans une comédie d'une remarquable modernité. C'est un quatuor amoureux, deux amoureux éconduits, qui vont s'unir pour retrouver l'amour de leurs deux infidèles. C'est un grand classique de Marivaux, ici dans une mise en scène pétillante avec une langue française largement maîtrisée. Sa jalousie l'égare. Si vous tenez bon, vous la verrez pleurer de douleur. Vous ne m'aimez donc plus ? Je vous propose maintenant un presque seul en scène avec Édouard Baer qui nous propose les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Un spectacle pour lequel il a été nommé Molière du comédien dans un spectacle du théâtre privé. Et comment ne pas être nommé dans cette pièce brillante, déroutante, dans la verve de Édouard Baer. Il entre en nous disant qu'il a fui le théâtre d'à côté, abandonné son public dans une pièce à laquelle il ne croyait plus. En faisant mine d'y retourner, il se prend à imaginer ce qu'aurait pu dire à sa place Casanova, Bukowski, Gary, Brassens ou Jean Rochefort. Entre tchatch intello, romantisme tourmenté, Édouard Baer nous livre un presque seul en scène plein de fantaisie et de mélancolie, un spectacle écrit sur mesure. Vous étiez très nombreux la saison dernière à avoir plébiscité ce canard à orange, et on le retrouve à l'affiche cette saison avec son report de la saison dernière. C'est la pièce aux 5 Molières. Ce canard à l'orange, c'est cette pièce anglaise ancienne mais très largement revisitée par Nicolas Briançon. Le charme de Briançon qui apprend par son assistante que sa femme le trompe. Il invite du coup l'amant de sa femme à passer le week-end à la maison. Comédie de boulevard british avec évidemment un canard au milieu survolté avec 5 comédiens absolument géniaux. Je vous propose maintenant un des grands succès parisiens de la saison dernière avec Rouge, un combat de chef entre le maître et l'élève. Le maître, c'est Marc Rothko, joué ici par Nils Arestrup, et l'élève, c'est Alexis Moncorgé, le petit-fils de Jean Gamin, dans le rôle de l'élève. Nous sommes à New York, années 50. Rothko, célèbre plasticien, peintre, est en face de sa dernière création pour le restaurant Les Four Seasons. Il donne des instructions à Ken, son assistant, fraîchement arrivé. Ken va prendre de plus en plus d'assurance et remet en question les théories de l'art du grand maître. C'est vraiment une joute passionnée et passionnante sur l'art et le métier d'artiste, sur fond de révolution artistique américaine avec Warhol et autres consorts. Un spectacle réellement passionnant à découvrir la saison prochaine. Le noir, c'est le manque de rouge, en fait ? Non, le noir, c'est le contraire du rouge. Et là, je te parle pas du spectre chromatique, je te parle de la vie. Le rouge, je sais même pas ce que ça veut dire. Je veux dire écarlate, je veux dire cramoisi, brune, vermeil, corail, saumon, livin. Pour vous, les musées, c'est des tombeaux. Les galeries, elles sont tenues par des putes, des escrocs, des macros. Alors expliquez-moi une bonne chose. Qui est assez bien pour posséder vos tableaux ? Vous voyez ce rectangle noir, là ? C'est comme une porte. Et c'est aussi comme une bouche. Quelque chose de primaire, quelque chose de réel. Venez découvrir Foufrou-les-Bains, une pièce de théâtre mise en scène et écrite par Patrice Hautecoeur, qui a d'ailleurs été nommée Molière du meilleur spectacle musical. C'est une forme ancienne, elle a 20 ans cette pièce de théâtre, elle est ici réactualisée par le phénoménal Patrick Hautecoeur, qui a écrit par ailleurs « T'es à l'amant, tout est citron »,« Silence on tourne », etc., etc. Nous sommes dans une sorte de vaudeville en chanson, avec un orchestre intégré au magnifique décor. Nous sommes dans un décor d'hôtel de luxe dans les Alpes pour une cure thermale en eau curative. Tout est prêt pour accueillir les curistes, mais rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Entre le garçon d'étage amoureux de la fille du directeur, un directeur récalcitrant, quelque peu terrible, en la personne d'Urbain Cancelier, l'épicier d'Amélie Poulain, que vous connaissez tous. Et puis, il y a des méprises qui vont se réaliser avec l'ensemble des curistes. Les curistes arrivent, il y a une panne d'eau, évidemment, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. J'en ai fini avec l'ensemble des pièces de théâtre présentes la saison prochaine. Vous pourrez retrouver l'ensemble des vidéos sur lepingalant.com.